Là, je suis dans la cour d'honneur des Invalides et c'est le Guépard, le futur des hélicoptères de l'armée de terre. C'est un hélicoptère d'attaque et de reconnaissance. C'est un 6 tonnes. Ça va remplacer la Gazelle. Donc, le Guépard chasse la Gazelle. La Gazelle, c'est le petit hélicoptère qui existe depuis 50 ans, qui commence à se faire un petit peu vieux. Bah, maintenant, en termes de vitesse, ça va pouvoir complètement suivre. Exemple de technologie. Là, les pales sont courbées. Ça permet de faire simplement moins de bruit. L'avant du Guépard, son de pitot ici. Caméra thermique, ça change complètement en termes de commandes. Que des écrans, il n'y a plus de cadran, c'est tactile. Alors il n'y a pas CarPlay, mais on peut même connecter son iPad en fait dessus. Et en gros, on appuie sur deux boutons et on part de Marseille et on arrive à Paris. Parce que automatiquement, il va se lever, il va se mettre en position stationnaire, va gagner de la vitesse, va gagner de l'altitude. Et là, on arrive à un niveau de simplicité qui est certain.